C'était Fear Effect Sedna. Ça me fatigue. Non, c'était pas bien. Enfin, c'était pas bien. Je vais juste dire deux mots, puis après on change, puis après on fait autre chose. Ça aurait pu être vraiment mieux fait. On dirait que les personnages, en fait, sont... se bloquent eux-mêmes, en fait. Comme j'ai dit, là, le fait de pas dire d'insultes et tout ça, et juste à la fin, l'autre, elle dit « shut up, bitch ». On dirait que c'était tellement forcé, en fait, juste pour arriver à un quota de... Juste pour un quota, en fait, juste pour remplir un quota, comme quoi c'est la fin du jeu, enfin voilà. Non, ça manquait de scènes aussi, bah oui, ça manquait de scènes un peu érotiques, hein, c'est Fear Effect quand même. Mais c'est Fear Effect en 2018, c'est pas Fear Effect en 2001. Parce qu'en 2001, c'était pas tous les jours que tu voyais des jeux comme ça, alors que c'était osé pour l'époque. Mais là, non, là c'est bon, là je sais pas, maintenant il y a GTA, tu vas avec des prostituées, après tu les tues, enfin voilà quoi. Ça va, on est passé, la barre elle a monté un peu plus haut quoi. Donc là ils auraient pu en profiter, mais non, ils en ont pas profité du tout. Donc au final, ça fait un truc pas top. Ça fait pas un jeu spécial, avant c'était des jeux spéciaux, les Fear Effect. Là non. Là c'est pas spécial du tout. Même chiant là. Et le gameplay horrible, hein. Le gameplay horrible. Ils veulent faire de la pseudo-infiltration, pseudo-stratégie. Non, y a pas du tout. Y a pas du tout de stratégie, y a pas du tout d'infiltration. On s'en tape, ça sert à rien. Tu peux faire tout à la bourrin, c'est très simple. Les boss sont pas bien non plus, les designs sont pas cool, et le son est horrible. Celui-là qui a fait le son, je crois qu'il a oublié de charger la moitié de sa clé USB, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de son. Les bruitages, voilà. Il n'y a pas de bruitage en fait. Donc ouais, je crois que le mec il a oublié de charger la moitié de sa clé. Mais bon. Après les musiques sont cool, les niveaux sont sympathiques, sont jolis, mais encore une fois, on dirait que c'est puzzle. C'est que des puzzles, pas vraiment intéressant. Au moins t'avais de l'histoire et les personnages et qui étaient intéressants entre les puzzles, genre dans les anciens Resident Evil, dans les anciens Fear Effect, dans tout ça. Là c'est chiant. T'as l'impression que tu fais puzzle chiant. Et un peu de cinématiques qui sont cool, très rares. Et voilà. Voilà. En un mot, déception. Voilà. C'est tout dit.